Merci. Mais derrière. Salut. Salut. Je sais pas si tu te sens un moment, on s'est envoyé des mails. Tu sais, je suis la journaliste. Ah ouais. Ouais, ça va toi? Ouais, ça va, merci. T'es tout flashy ou quoi? Ouais, de ouf, franchement, bravo, c'était vraiment trop bien. Du coup, comme je te disais par mail, est-ce que y a moyen que tu répondes à quelques questions? Parce que j'ai écrit un article sur la Loopstation, du coup, Ok, ouais. Voilà, bah du coup, ça te dit, enfin, il y a une salle là-bas où les gens ils font des vidéos, du coup, on peut faire non, ça. Non, mais j'ai. Enfin, juste pour savoir, j'ai quoi en échange? En échange de répondre à tes questions. Ah, en fait, les crédits, je les mets tout le temps à la fin de l'article. Tu n'auras pas de crédit, enfin, tu passes dans ma chambre après, enfin, on va passer dans ma chambre, t'as compris. Putain. Vas-y, tranquille, mais vas-y, mais reviens. On n'a pas fini notre conversation la dernière fois sur, tu sais, le truc là, sur l'égalité des sexes, dans le Manic Box ou une pop. Ah, c'est possible de ne pas mettre les guillemets par contre. Bref, j'ai réfléchi, je vais juste t'expliquer en fait, parce que moi je suis là depuis longtemps, enfin avant toi en tout cas. Donc c'était pour dire que, en fait, la communauté en France et dans le monde, elle est super bienveillante, super accueillante, super inclusive. Il y a une catégorie pour vous, enfin quand même, tu vois, vous avez fait de la place. Vous avez fait de la place. Après, en fait, je suis en train de t'expliquer, je peux finir. Donc on vous a fait de la place, et vous, vous êtes quand même vachement à mettre le doigt sur tout ce qui va pas en fait. Non mais en fait moi j'aimerais bien qu'on dise ce qu'il y a de positif parce que sinon on n'avance pas. Ça sert à rien de faire la guerre aux hommes en fait. Non, mais est-ce qu'on ça peut juste à... essayer de tu je vois peux de finir. En fait je suis en train de t'expliquer. Le féminisme voilà ce que c'est. Vous voulez l'égalité. On vous donne l'égalité et là vous êtes là. Oui mais ça va pas. En fait on va nulle part avec ça. Oui, mais si seulement on pouvait au moins nous laisser expliquer. Et en plus, ça se passe déjà très très bien pour vous dans la communauté. J'ai jamais entendu quelqu'un. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai mis une main au cul à une femme. Genre, je n'ai jamais entendu ça. Mais en fait, j'aimerais bien voir. Alors, du coup, montre-moi une situation de harcèlement là autour de toi, quoi. Non, mais en fait, je. Non, mais. Enfin, parce que voilà, tu vois, c'est dur à trouver. Non, mais voilà. Bah, les filles, j'arrive. Non, mais. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu m'as vu sur scène? Santé. Ouais, je t'ai vu, c'était grave lourd. Franchement, bravo de ouf. T'as kiffé? Ouais. Ouais, c'était grave bien. T'as vu, je t'ai fait un petit clin d'œil comme ça sur scène et tout. J'ai vu que ça avait fait kiffer direct. Ah non, j'ai pas capté, mais ok, lourd. Ok. Tu fais quoi après là? Bah on va rentrer, je pense. Les filles, on va pas tarder à rentrer, je pense. Non, tu vas pas rentrer maintenant. En vrai, je te fais un petit cours de beatbox. Vu que tu me kiffes. Mais je... ouais, enfin après, je sais beatboxer, hein, tu sais, en vrai. Hein. Ouais. Vas-y, montre. Non, bah là, j'ai pas envie, je suis... Enfin, c'est bon. Ok. C'est bon. Mais du coup, tu sais faire des trucs, beatboxer, ou... Les filles, on part dans combien de temps, s'il vous plaît? Excuse-moi. T'es qui déjà, toi? Pardon? T'es qui déjà? Mais tu sais, on s'était vu la dernière fois... Attends, juste, tu peux me rappeler, t'es la copine de quel beatboxer, déjà? Ah, mais je suis la copine de personne, non. Mais t'es venue avec qui alors? Avec mes copines. Mais tes copines, c'est des copines de quel beatboxer? En fait, je vois pas avec qui t'es venue, en fait, je comprends pas. Avec mes copines. Et du coup, t'es beatboxeuse? Non. Et pourquoi tu viens au championnat de France, en fait? Parce que j'ai mis beatbox. Pourquoi tu viens, toi? Ok, ouais, non, mais oui, c'est vrai, pardon. Non, mais oui, pardon. Putain, tu te souviens, elle? Ouais. Tu sais qu'elle a couché avec lui. Tu te souviens? Oui. C'est l'histoire de ouf, là. Mais tu sais pas quoi? Elle a couché avec lui. Mais non. Je te jure. Ah non, mais abuse. Trop sale. Trop sale. Et lui, ouais. Il a couché dans la pièce là, c'est chaud avec elle. Avec elle. Avec elle. Et avec elle. Mais non. Mais putain, non, mais le beau gosse. Baiser de ouf. Putain, la chance. En plus, elle est bonne. Salut, moi c'est Marion, beatboxeuse et membre active de l'association Panem Beatbox Hustlers. Et moi c'est Philippine, présidente de l'association PBH. Aujourd'hui, on a décidé de vous exposer à travers plusieurs mises en situation ce que ça peut être d'être une femme au sein de la communauté beatbox. Le but n'est évidemment pas de viser des gens en particulier, mais d'illustrer des comportements qui peuvent sembler anodins et qui sont pourtant du harcèlement. Il faut savoir que chacune des situations qui ont été exposées dans notre vidéo ont été vécues par des membres de la communauté. On entend souvent dire que cette communauté est bienveillante et inclusive. Elle l'est sur bien des aspects, mais on fait encore trop souvent la différence entre les hommes et les femmes, que ce soit sur scène, dans le public ou en dehors des événements. Panem Beatbox Hustlers est une association qui a toujours pris soin d'inclure tout le monde en mettant en place des ateliers, des sensibilisations et des rencontres. C'est donc aussi notre rôle aujourd'hui de prendre la parole et de continuer à sensibiliser les membres de notre communauté
notamment sur des sujets aussi fondamentaux que le respect des humains. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'échanger à ce sujet ou si vous avez la moindre question.